Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça cap partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci Youtube pour la liberté d'expression C'est la vérité absolue C'est de l'info et de l'actu T'as un doute sur le contenu Check les sources ou le nombre de vues C'est la vérité absolue C'est de l'info et de l'actu T'as un doute sur le contenu Check les sources ou le nombre de vues Calme-toi Dimitri, la force tranquille Ça tape dans le mille de midi à minuit comme les mensonges comme des quilles Depuis qu'il y a des séances publiques Je veux plus au cirque à l'hémicycle Scandales politique et médiatique Pour rien rater il faut que tu cliques, mec c'est Rémi Le meilleur du pire en ligne de mire, aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un polac donc je voir Laurent Hournac, je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Wesh ouais, c'est qui est le crack, Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Sa l'idée kilomètres de presse, pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Tant doute, je vais voter vol Voldemort pour les prochaines élections. passe De la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. T'aimes pas, découpe pas les autres. Pas moi qui le moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro. Non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce très liches, Smithel. Yes, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste elle Les vidéos c'est juste tous les jours. Moi ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours, tous les jours. J'suis comme mille ah. Désolé pour mon manque de répartie sais même pas ce que je dépite C'est dur la géopolitique Ou un peu comme ma... Euh, euh, république Ma République, non C'est dur la République quand même, non Ouais Non Ah non, c'est mou, non Ouais, on, on, les mecs se font chier, on dirait un peu Ouais, c'est un peu mou ça dépend dans quel pays ouais. euh, ben j'y connais pas grand chose moi euh, c'est quoi c'est quoi une démocratie déjà Tourne en comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça cape partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Soit la vérité absolue, j'suis de l'info et de l'actu T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues Sois la vérité absolue, j'suis de l'info et de l'actu T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques Sérémie, le meilleur du pire en ligne de mire, aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un polac, donc je voir Laurent Hournac. Je crois je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Yes. Bonjour à tous, on commence en fanfare, bonjour et bienvenue dans le juste bistrot. Ah, c'est on commence voilà comme on comme, on... comme, on... comme d'habitude en fait c'est à dire avec une tannée techniquement bonjour à tous les amis heureux de vous retrouver alors c'est vrai que hier on était sur euh, la mise en place pour le live privé donc là j'ai bon c'est il risque d'avoir une quantité de couilles assez monstrueuse aujourd'hui mais on va euh, on va faire avec on va faire avec parce que vous en avez l'habitude avant tout il faut se le dire bonjour à tous chers amis j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, pour cette nouvelle semaine, là, il fait beau. Là, il fait bon vivre. Ça fait plaisir. On est pas mal. Donc, on se retrouve avec joie et délicatesse pour cette nouvelle semaine. Hein. Beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Je peux vous dire, ça va envoyer du bois, bien sûr. Euh, avant d'attaquer je vais vous donner les sujets. Parce on va parler de beaucoup de choses. Ah, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire en attendant, bien sûr, la farce tranquille de demain. Hein, ça, ça va. Ça va envoyer du bois aussi. Ouais, non, le, le script est musclé. Le script est musclé. Donc pas mal, pas mal de choses, pas mal de sujets à discuter ensemble aujourd'hui, les copains. Et ça, ça fait plaisir. Est-ce que vous vous êtes en forme Est-ce que vous êtes au taquet Est-ce que vous avez la banane est Ce qui fait beau par chez vous Parce que c'est vrai que, ah, si on a cinq minutes, hein, euh, si on n'a rien d'autre à branler, je vous lirai le Parisien aujourd'hui. Euh, ah, il y a des choses. Euh... Je ne suis pas météorologue, mais j'ai quand même l'impression qu'on nous prend pour des cons. Ah ouais, non, non, tu vas voir. Il y a des trucs, il euh, y a des trucs assez passionnants hein, sur cette fameuse sécheresse asymptomatique. Mais en fait, on apprend que même quand il pleut, c'est problématique. Ouais, non, je sais, c'est pas évident, mais il faut suivre parce que à aujourd'hui, la marge entre complot et pas complot, elle est pas évidente. Ah ouais, là, ça, là, ça devient chaud, ça devient très très chaud. Donc, euh, on va voilà, on va faire avec. Les amis, voilà, bonjour à tous. Hein, je vois dans le chat, il y a Jachadi qui nous dit trop chaud à Auré, en Bretagne, nos amis de Bretagne. bien évidemment, je connais bien, je connais bien, bien évidemment. On a quoi On a sécheresse pluvieuse dans le sud pour 411,40. Salut Rémi, la femme 72. On a tout le monde qui est là. Hervéro, Véro. Veille. Rémi, j'ai pleuré de rire avec Alexis dans l'air général. On s'est bien fendu la gueule. Ah, je peux vous dire que... Ah, ce ne sont pas les derniers pour dire des bêtises, ceux-là. Oh là, 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 là. Ah ouais, non, non, ils sont... Ils sont complètement fous. Et il y a l'instant BFM qu'on va republier bientôt. Vous allez voir, ça va être du plaisir aussi, les copains. Il y a Gotham qui dit, cool, on va parler des délires écolo. Ça manque. Ah bah oui, alors là, aujourd'hui... Euh... Ouais. ouais c'est Sandrine Rousseau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh... Ouais, je... vous allez voir. Elle a fait un tweet dans l'après-midi, là. Je ne sais pas où elle est en est, Sandrine, mais apparemment... Euh... Elle a pété les plombs. Elle a pété les plombs. Hein. Elle s'est sentie pousser peut-être une paire d'eau verte. Apparemment, il faut se mettre dans le thème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais euh, ah ouais, non, ça va être cocasse. Merci à vous, les amis. Hein, ceux qui étaient là, bien sûr, avant d'attaquer, c'est plus important. Merci à vous, ceux qui étaient là pour l'émission le, euh, le, privée, hier on s'est régalé, je peux vous dire, on s'est bien fendu la gueule, sur cette nouvelle plateforme où on fera les émissions privées réservées aux membres de la Terre du Juste Milieu, ça, ça fait plaisir, vous étiez plus de 1000 hier, hein, c'était zinzin, et rendez-vous le 20, rendez-vous le 20 juin, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore le cas, hein. seuls ceux qui sont inscrits reçoivent le mail, ça c'est important, et de toute façon on va faire de plus en plus de choses comme ça, c'est-à-dire de plus en plus de vidéos sur des plateformes euh, qui seront ni YouTube, ni Twitch et tout. Euh, on sera entre nous. Comme ça, si ça tourne vinaigre... Euh, on va, on va s'en sortir. On aura des solutions de repli. Et de toute façon, c'est ce que je disais hier hein, pour ceux qui étaient là. Euh, l'idée, c'est que, euh, et c'est pour ça qu'on va continuer plus que jamais à mettre en avant les revues, mettre en avant justement Swell et le Banquet, parce que vous le savez, hein, ce sont nos garanties hein, d'indépendance et nos garanties financières. C'est grâce à ça que Juste mieux peut exister, grâce à votre soutien, bien évidemment. Et l'idée, c'est que même si demain YouTube on se fait censurer la gueule, on soit déjà prêt à être ailleurs et que la monétisation YouTube soit plus grand chose par rapport au soutien que vous nous donnez sur le, les revues, ce qui nous permettra d'être sur d'autres plateformes et euh, viendront ceux qui veulent. À la limite, au, au bout d'un moment, le nombre de vues sera plus forcément problématique parce qu'on aura nos projets à côté pour, euh, pour tenir le, la barre. Tu vois. donc c'est pour ça que de plus en plus on va aller vers tout ça. Il y aura un replay hein, pour ceux euh, pour ceux qui sont euh, inscrits. Là encore, on va envoyer le lien hein, bien évidemment pour le replay. Euh, donc voilà un petit peu les amis, c'était Zinzin. Merci également, alors merci à MC1755 qui vient de sub le 8 mois, ça c'est fort. Et merci aussi euh, aux amis qui étaient là euh, sur YouTube. YouTube, j'étais l'invité de la chaîne de Sylvain Tiger. Ça c'est là. Déjà, il y a Tigre dedans. Donc tu sens qu'il se passe quelque chose, je vous mets le lien. Euh, J'étais avec Sylvain Tiger qui m'a gentiment invité. C'était tout à fait sympa. Sur une chaîne où d'habitude il parle un peu plus d'économie. C'est vrai que là ça a dû lui faire drôle parce que moi l'économie, euh, la dernière fois c'est quand je joue au Monopoly. Donc euh, voilà, je vous mets le lien si vous voulez regarder les amis bien évidemment. Donc voilà Sylvain Tiger que j'embrasse, que je salue, que je remercie pour l'invitation. Ça fait plaisir. On est partout. Hein. Ouais, ah, le juste milieu inonde comme ça, droite à gauche. Les milieux, les pas-milieux. On essaie d'être partout. Ah, merci à Alexandrine59 qui dit que c'était vraiment très chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, ce qui fait plaisir, c'est... Euh, Olivier Véran, ouais. Bon, on va pas se mentir. Euh, ils ont lâché les chevaux. Hein. Ils ont lâché les chevaux. Alors, déjà, bon, les chevaux qui restent. Parce que c'est vrai que quand tu vois la gueule de l'écurie, c'est pas fou. Mais... Euh, mais bon, maintenant, voilà, Olivier Véran était aujourd'hui à l'Assemblée. On commence le petit tour de l'actu, les amis, et puis on va continuer à papoter, bien sûr, vous le savez, vous connaissez la maison. Et euh, ça part dans tous les sens. Euh, on a Olivier Véran. Après, on va parler d'Emmanuel Macron. Alors, effectivement, j'ai vu l'ami d'Abibian qui a fait la blague, et je crois que c'est Alexis aussi. Euh, il a dû changer de dealer. Ah, ouais. ah, je ne vais pas faire dans l'originalité parce que je pense que c'est premier degré. Ouais. Ah, je, pense sincèrement. je pense sincèrement. Merci à mon Karim, CHU Haute-Pierre, qui vient d'offrir un sub à Nom Nom Burger Z. Donc ça, ça c'est pas mal. Arrêtez, par contre, avec les pseudos, avec du manger dedans. Parce que moi, le problème, c'est que ça me donne faim. Et là, euh... Et là en ce moment, j'ai un nouveau truc. Bon, ça fait deux jours, donc euh... on n'est pas sur un mode de vie non plus. Mais je mange une pomme le midi. Ouais. Et le soir, comme ça, j'ai de l'appétit. Et puis, on est sur un projet d'allègement fiscal. Bon, voilà. Donc, là, le problème, c'est que j'ai encore plus faim quand on vient l'heure du juste bistrot. Ouais. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je vous mets Olivier Véran, après, on papote. Merci à euh, Mabatoche Guada, bien sûr, qui dit coucou. Oui, c'était au top, tu t'es lâché, MDR. Oui, c'est vrai. Ben, là, l'idée des, des, des lives privés hein, réservés, c'est que c'est sans censure. Alors, on est sur une plateforme où on m'a dit c'est bon, tu peux y aller. Donc. Euh, J'y suis allé. voilà. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire sur Twitch, encore moins sur YouTube. Je ne répéterai pas, mais des histoires de maçon, de euh, pédocriminalité. Non, c'était. Le menu était musclé. Le menu, le menu était musclé. On part sur Olivier Véran. Ça s'est passé il y a quelques dizaines de minutes. Vous allez voir, c'était quelque chose. Alors, si j'arrive, ah, il y a la technique. Vous, en même temps, je vous avais prévenu. Au bout d'un moment, les chats ne font pas des huîtres. Une ingérence étrangère en France. C'est comme une poupée russe. D'abord, saper les intérêts français à l'étranger, Poutine le fait. Ensuite, pratiquer la désinformation à grande échelle, Poutine le fait. Enfin et surtout, interférer dans une élection en investissant sur un candidat qui vous serait favorable. La question à laquelle votre commission d'enquête devra répondre, c'est, Poutine l'a-t-il fait La deuxième question qu'il faut se poser, c'est dans quel but Poutine ferait-il de l'ingérence en France Pas par amour de nos valeurs républicaines, de notre art de vivre à la française, certainement pas. A l'évidence, ce serait pour affaiblir la France et l'Europe de l'intérieur, poupée russe et donc aussi cheval de Troie. Vous m'interrogez, monsieur le député, sur les liens que vous suspectez entre l'ingérence russe et le Rassemblement national. La lecture de votre rapport de commission d'enquête sera sans doute éclairante. Mais avant cela. Les liens entre le Rassemblement national de Mme Le Pen et la Russie de Vladimir Poutine sont connus. Elle y est allée quatre fois en cinq ans. Elle n'a jamais caché son admiration pour le dirigeant russe, allant jusqu'à d'ailleurs afficher son visage souriant, une fois n'est pas coutume, sur un tract de sa campagne présidentielle pour le patriotisme au repassera. Voilà une dernière question à laquelle il faudra répondre. Était-ce dans ce cas-là de la part de Mme Le Pen de la naïveté Après tout, vous juriez Mme Le Pen... Que jamais Vladimir Poutine envahirait l'Ukraine trois semaines seulement avant que l'invasion débute Ou est-ce que c'était du cynisme Est-ce que c'était du cynisme Parce que pour vous, la fin justifie les moyens. Et bon, on a compris, hein, le, le roi de la zozoterie, également au prix Nobel de euh, saloperie sanitaire. Alors, c'est vrai qu'Olivier Véran, bon, c'est toujours pareil. Alors, je prends ça. Effectivement, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec les histoires euh, d'ingérence russe. Euh, avec, avec la, enfin, en France, parlerons-nous un jour de l'ingérence américaine via l'Union européenne C'est un autre débat, naturellement. Mais ce qui est fou, alors après Pucher, il est, voilà, il, il a pas le temps parce qu'aujourd'hui, il est quand même porte-parole du gouvernement, donc il, il est censé porter la parole. Euh, ce qui est marrant, c'est que. Euh, Olivier Véran oublie peut-être un peu vite, mais peut-être un peu vite, ce que révèle Marc Develde hein, dans, dans ses bouquins sur Macron. Euh, alors il faut remonter un petit peu le temps, il faut remonter l'affaire Benalla, hein, l'affaire Benalla, euh, et Marc Develde révèle que Marc, euh, que Alexandre Benalla et son acolyte, enfin l'un de ses acolytes, Vincent Crase, hein, vous en rappelez sûrement. Ont reçu des oligarques russes au siège même d'En Marche à l'époque, en vue de signer des contrats sur les prestations de sécurité, de choses comme ça, avec leur société. Non, ça, c'est pas de l'ingérence. Ça, c'est. Non. Non, non. Euh... Non, c'est autre chose. Ça s'appelle autrement. C'est. Euh... Non. Il faut... faut pas faire la... la confusion. Parce que tu vois, il y a même France Info qui en avait parlé. Vous connaissez la maison. Je... Et là, il y a les sources. Hein. Ça, ça coule de sources. Hein. Contrat avec un oligarque russe. Alexandre Benalla et son épouse ont été lib libérés sans poursuite à ce stade. Voilà. Une enquête pour corruption est ouverte. Les investigations se poursuivent. Alors, naturellement, on n'a pas de nouvelles de tout ça. Mais, euh, tu vois... Hein L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron est soupçonné d'avoir joué le rôle d'intermédiaire dans un contrat passé entre son ami Vincent Kras et un oligarque russe alors qu'Alexandre Benalla était toujours en poste à l'Elysée. Des soupçons de corruption pèsent sur ce contrat de sécurité qui prévoyait d'assurer la sécurité de ce milliardaire russe. La justice cherche à savoir si Alexandre Benalla a été chargé de négocier ce contrat et s'il a touché une commission. C'est marrant parce que ça, ça s'appelle pas de l'ingérence. L'ingérence, c'est l'extrême droite. Voilà. Une fois de plus. Ou l'extrême gauche, à la rigueur. À la limite, il faisait le coup. Euh, à Mélenchon et ses copains, il leur faisait le coup euh, avec le, les histoires d'Amérique latine. Tu sais, le classique c'était oui, vous, vous défendez Chavez et compagnie. Ce qui n'était pas complètement faux. Tout comme avec Marine Le Pen, il y a une acquaintance avec le régime russe qu'on peut pas nier non plus. Tu vois, bien que aujourd'hui euh, Bardella, par exemple, soit un petit peu plus euh, une majorette par rapport à tout ça dans la mesure où on se rappelle hein, quand Zelensky, dans sa tournée triomphale de son nouveau One Man Show, était venu à la, à la Commission européenne, enfin, était venu à Bruxelles, et Bardella était à, avait accouru à Bruxelles pour venir applaudir. Donc là, en termes de ligne anti-Ukraine et pro-Poutine, on a fait mieux. tu vois. Donc, euh, on voit qu'une fois de plus, tout ça sont des arguments un petit peu bidons qui devraient, normalement, si les journalistes de notre pays faisaient sérieusement leur boulot, devraient revenir en pleine gueule de ce Pinocchio débile qu'est Olivier Véran. Ça, ça devrait lui revenir en pleine tronche, et les journalistes, en tout cas des journalistes sérieux, devraient lui dire, mais attendez, vous parlez d'ingérence, où en est cette enquête concernant Alexandre Benalla, qui était en poste à l'Élysée Donc on pourrait vous soupçonner de la même chose. Parce que les soupçons sur Marine Le Pen, on est d'accord qu'ils euh, partent d'un prêt bancaire qui a été souscrit en Russie, parce que les banques françaises refusaient de prêter au RN. Euh, il faut quand même... On est d'accord, on n'est pas d'accord. Le fait d'aller en Russie, effectivement, c'est pas malin, c'est même profondément con. Mais euh, ce qui devrait aussi nous interroger, aussi, hein, c'est que des banques françaises refusent de financer des partis qui aujourd'hui représentent 25, voire plus d'ailleurs, euh, autour, autour de 30% de l'électorat français. Euh, et ça, c'est marrant, mais ça dérange pas beaucoup de gens. C'est parce que le jour où ça arrivera à la Nupes, vous vous doutez bien que ça fera la une de Libération. Il y aura la, la nausée. Il y aura, écrit. il y aura écrit la nausée comme ça. Et puis, ils mettront la gueule de je ne sais pas qui. Mais euh, bon, il faut, il faut aussi s'étonner de tout, ou alors s'étonner de rien, tu vois. Mais euh, bon, et puis, on en revient au point, je vois Caïtan du 44 qui dit ça, l'ingérence US, c'est 200 ans d'expérience, les Russes font pas le poids sur ce point. On, on, on est d'accord, font pas le poids, pardon, sur ce point. On est d'accord, en plus, le, le fait de parler ingérence d'un pays... Étranger en France et de dénoncer cela quand on voit, le, quand on voit la, la surprésence américaine dans les affaires, même françaises. Hein, le cabinet McKinsey, ça vient pas du Botswana. Hein, on est d'accord McKinsey, c'est pas japonais, jusqu'à preuve du contraire. Donc, euh, il faut voir aussi que McKinsey, d'une certaine manière, est le bras armé de la politique américaine. Comme la Banque mondiale, par exemple, qui est une instance américaine aussi, comme le FMI, qui sont des instances euh, dont l'ADN est américain. Donc, Aujourd'hui, quand le gouvernement, quand ce ramassis d'escrocs euh, viennent faire des leçons sur la, la notion d'ingérence, les, les gars, non, non, c'est non. C'est non, pas de non recevoir, normalement. Et pourtant, ça ne les dérange pas, tu vois. Donc, euh, voilà, et, et, dans, et, et Hervé Rau a tout à fait raison. Dans l'autre sens, l'ingérence française en Afrique, voilà, bien sûr tout à fait d'accord avec toi, cher ami. Absolument. L'ingérence est le ciment de la géopolitique. Il n'y a pas de géopolitique si des pays ne mettent pas leur pif dans l'affaire des autres pays. C'est pas possible, en fait. Enfin, ou alors, euh, euh, malheureusement, et encore, j'allais vous dire, vous êtes un pays de seconde zone, une petite économie, ce n'est même pas certain, en vérité. Donc, euh, l'ingérence chinoise en Afrique également, hein, pour tout ce qui est lié au port en eau profonde, pour accélérer le commerce. Enfin, dénoncer l'ingérence comme euh, quelque chose d'anormal dans le fonctionnement géopolitique je veux dire bon Olivier Véran euh, ce qui est fou c'est qu'il est aussi bon en géopolitique qu'en médecine apparemment euh, quand il nous disait ouais, le vaccin est efficace à 99,1 milliards de pourcents bon, en fait il n'en sait pas plus il n'en savait rien mais l'avantage c'est que quand tu mens tout le temps ça dénote pas c'est ça qui est sympa c'est euh... hein? voilà il n'y a, a pas de surprise en fait. Et Olivier Véran, qui est un menteur patenté aujourd'hui, dont la place serait au moins sur les bancs d'un tribunal, hein, pour savoir quand même ce qu'il en a été durant cette crise, et il te fait la leçon. Il te dit, c'est bien, c'est pas bien, peut mieux faire. Euh, félicitations du conseil de classe. C'est lui qui est à même de, de te dire tout ça. Donc, c'est assez curieux, et surtout que on pourrait se dire, ouais, mais quand même, le gouvernement a... Un euh, en face, il y a les contre-pouvoirs, il y a les partis d'opposition. Ah, ah, il est parti d'opposition. Euh, ils ont plus ou moins le cuir d'une barrière de corail. Et en premier lieu, Sandrine Rousseau. Je suis désolé. Tous les chemins mènent à Rome. Euh... Bon, alors elle, euh... bon alors elle n'a toujours pas répondu aux reproches qui sont faits par complément d'enquête. Hein, vous, vous en rappelez qui, qui ont démontré que Sandrine Rousseau était un connard comme les autres, hein, c'est-à-dire était un homme politique euh, de, de bas étage avec vraiment de pas très bonnes mœurs. Hein, et il n'y a pas eu de réponse Alors, euh, cette histoire hein, de logement dans lequel elle n'a jamais habité, qui a été déclarée juste pour faire les élections. Non, elle, a dit, elle avait même dit dans la foulée que désormais elle ne répondrait qu'aux journalistes qui parleraient des sujets de fond. <laughs> Je ne sais pas ce qu'elle aura à leur répondre, hein, en revanche, parce que c'est apparemment pas son truc aussi, mais bon. Et là, euh, c'est marrant parce qu'on en revient toujours au même point. Je ne vais pas vous mentir, les amis, je suis très heureux que vous soyez là. Hein. Mais je ne sais pas ce que vous foutez là, en fait. Parce qu'on se dit tout le temps la même chose, tous les jours. C'est. Mais restez, hein. mais posez-vous les bonnes questions. Normalement, vous devriez aller cueillir des coquelicots, par exemple. Voilà, il faut faire ça. Euh, et, et je lis ce que dit Mamkafa, on papote aussi dans le chat, bien sûr, hein, qui dit Pas un seul des partis d'opposition n'a su se souvenir de Benalla. Le premier à rappeler cette connivence avec la Russie. Alors, non, pour le coup, voilà, il y a le Marc-Anne ça vient de ces bouquins-là. Mais effectivement, genre, le RN, il euh, faudra les prendre au sérieux le jour où ils auront la capacité de dire ce que je vous dis là, je veux dire, de se défendre sérieusement et de dire non, mais attendez, les gars, bah, d'exposer tout ça devant les Français, de dire mais vous nous prenez pour des bœufs, vous nous prenez pour des bœufs. Et là, ils vont se défendre en entretenant, en entretenant la chose pour faire des séquences médiatiques à l'Assemblée nationale. Mais je veux dire, enfin, il faut arrêter les bêtises, Aujourd'hui, la vie politique est devenue une, une mécanique implacable, un divertissement ultime où on donne presque aux gens ce qu'ils veulent voir. Mais au bout d'un moment, il faut siffler la fin de la récré et que des gens sérieux donnent les vrais arguments. Je veux, dire, je veux bien qu'un bon porno se finisse toujours sur une faciale. Celle-là, elle est cruelle. Je suis désolé. Mais euh, parfois, c'est bien que ce soit autre chose, tu vois. Ça casse le scénario. Je sais pas qu'il y ait des dialogues, par exemple. Mais là, c'est un petit peu pareil. Donc, euh, c'est donc curieux, mais on en a marre. Et tu vois, les oppositions, Sandrine Rousseau, elle fait tout un fil de tweets, hein, un thread, elle fait un thread, euh, sur Twitter aujourd'hui, hein, tu vois, c'était il y a 4 heures, c'était pas longtemps. Hein. Elle explique qu'Emmanuel Macron ne se comporte pas en chef d'État, nanani, nanana. Et il y a un tweet, alors là, je vous le lis, hein, dites-moi votre avis, hein, dans le chat, évidemment. « La seule issue possible à une colère populaire devient la violence. » emmanuel macron très soucieux de son image et de sa marque dans l'histoire restera comme celui qui aura brutalisé la société et passé complètement à côté de l'urgence climatique voilà. qu'est ce que euh... Mline Rousseau, bonsoir. 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 Lorneman, bonsoir. bonsoir. Sandrine Rousseau, vous votez pour qui dimanche oui, Emmanuel Macron, sans aucune ambiguïté et bonsoir. Bonsoir. Lorneman, bonsoir. bonsoir. Sandrine Rousseau, vous votez pour qui dimanche oui, Emmanuel Macron, sans aucune ambiguïté et Merci à tous, c'est la fin de l'émission. Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise on est à quel niveau d'enculerie, de, de, en fait Est-ce que Sandrine Rousseau a découvert avant-hier qu'Emmanuel Macron était un président au visé autoritaire assumé Bon. Voilà. Et là, elle te fait le tweet. Alors, déjà, elle en appelle à la violence. Alors, une fois de plus, chers amis, de toute façon, vous le savez, maintenant, si vous êtes là, c'est que vous êtes le haut du panier. Hein the level up from the basket. Euh... Le problème, c'est qu'on en revient toujours au même point. Alors. Petit A, oui l'extrême droite est peuplée d'escrocs politiques comme les autres, qu'on soit bien d'accord. Bon, c'est pas beaucoup mieux, vous savez ce que j'en pense. Tant que Marine Le Pen n'assumera pas, enfin déjà tant que Marine Le Pen, point, deuxième phrase, tant que d'autres gens du parti n'assumeront pas que la sortie de l'Union Européenne, ou en tout cas une renégociation sérieuse de, de l'Union Européenne, des statuts de l'Union Européenne, leur permettra de mettre en place leur parti, ce serait un parti de pompe à vélo. Ce serait une opposition comme Mélanie, ce serait une opposition fantoche. Donc, ça, c'est dit. Ils voilà. ne disent pas, oui, tu défends l'extrême le, le droite. Et tout. Non, ce sont des glands comme les autres, voilà. en grande majorité. Euh, en revanche, moi, j'aime bien le côté, ouais, la violence, c'est l'extrême droite, l'appel à la violence, Pétain, Mussolini, les nuages de criquet. Et là, quand Sandrine Rousseau appelle à la violence, il y a un côté Notre-Dame-des-Landes. En fond, t'entends Zaz, t'entends du ukulélé. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait ça s'arrête où, cette escroquerie L'autre, elle appelle à la violence. Il n'y a personne qui lui tombe dessus. Euh, Quelqu'un de droite ou d'extrême droite fait ça. On en parle pendant six mois. Et Libération titre la nausée euh, au carré, même. Au carré, parce que c'est vraiment beaucoup de nausées. Donc, euh, faut arrêter, quoi. faut arrêter les conneries. faut arrêter les conneries. Euh, je veux dire, ces gens-là ont appelé à voter Emmanuel Macron. Encore eût-il fallu que vous fermiez vos gueules. Ça, ça leur aurait coûté quoi d'appeler à voter blanc, de ne rien dire peut-être, par exemple, tout simplement, plutôt que d'agiter ce chantage bidon au fascisme Vous êtes content On l'a le fascisme. Vous, vous êtes content Le culte de la personnalité, l'autoritarisme, l'interdiction de l'opposition, l'interdiction de la parole populaire et des manifestations, on l'a le fascisme. Prenez tous les piliers constitutifs de ce qu'on appelle un régime fasciste et on l'a. Vous voulez quoi de plus, en fait Le contrôle de la presse, vous voulez quoi de plus On l'a aussi. Donc, ces gens-là ont appelé à voter Macron après tout ce qu'on a vu de 2017 à 2022. Je veux dire, les éborgnés, les mains arrachées, les morts au moment des Gilets jaunes, on les a vus. C'était pas une vue de l'esprit. Donc, à partir de là, ces gens-là appellent à voter Macron. Vous êtes responsable. Point. Vous êtes responsable. Alors, pas cinquante 50-50. Hein, C'est comme un accident de bagnole. Bon, tu m'as pété un feu arrière. Voilà, mais il y a une part de responsabilité. Il faut arrêter les conneries. Et ces gens-là vont se dédouaner, vont tenter de se dédouaner en criant au loup, en essayant de récupérer la grogne populaire qui ne voulait pas de Macron. Mais c'est précisément une certaine partie qui serait difficile à chiffrer, mais une certaine partie de gens qui ont voté Marine Le Pen, non pas pour Marine Le Pen, mais parce qu'ils avaient déjà compris qu'ils ne voulaient pas de Macron. Parce que ce barrage, il marche dans les deux sens. Parce que déjà, un barrage républicain, c'est une escroquerie, ça n'existe pas. À partir du moment où un parti politique peut se présenter aux élections en respectant la Constitution et les lois du pays, il est républicain. Il n'y a pas, il a pas de barrage républicain. Ça veut dire quoi C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de barrage républicain à faire. Donc, ces gens-là sont responsables de, qui, de ce qui se passe aujourd'hui, de Jean-Luc Mélenchon à Valérie Pécresse, en passant par Sandrine Rousseau, Bayrou et tout ce cirque pindère. Euh, de salopes politiques, euh, au sens figuré, j'entends, hein. j'ai je, euh, bien compris que c'était pas leur métier de base. Euh, je parle dans, dans ce comportement de de, 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 de prostituer plutôt, voilà, on va être poli, de prostituer, c'est-à-dire euh, agir contre intérêt, contre rémunération, vraiment au sens même de la prostitution, si vous voulez. Euh, ces gens-là sont prêts à tout. Et donc, ils ont, d'une certaine manière, autorisé et permis et encouragé une autre forme de fascisme dans notre pays. Leur barrage a tellement bien fonctionné qu'ils ont ouvert la porte de l'autre côté. Donc arrêtez, arrêtez les bêtises. Et Sandrine Rousseau est responsable, d'une certaine manière, de l'arrivée d'Emmanuel Macron dans le pays. Donc la voir aujourd'hui euh, venir faire des tweets, dire la réponse et la violence. Alors déjà, Sandrine, là, allez, je lâche les chevaux. S'il y a Rudy de qui est dans le secteur, bon... Vous pouvez rester, mais euh, bon, euh, qui fait la violence On va revenir à quelque chose d'extrêmement terre à terre. Je suis désolé, hein, je, 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 voire grégaire, voire idiot, mais ça me sort de la tête. Je le dis, hein, vous êtes là pour ça. Dites dans le chat ce que vous en pensez. Mais euh, par qui sont constitués les hommes violents Est-ce que c'est Sandrine Rousseau qu'on va voir aller taper des CRS Je suis désolé, hein, mais je reviens à quelque chose d'extrêmement grégaire, qu'on pourrait dire sexiste aujourd'hui, mais euh, regardons les gens qui ont été arrêtés. Ce serait marrant d'avoir les chiffres. La proportion de gens qui ont été en garde à vue à l'issue des manifestations. Et donc les gens qui ont amené ce que Sandrine Rousseau appelle de ses voeux, c'est-à-dire une réponse violente. Combien il y a d'hommes, combien y a de femmes Est-ce que Sandrine Rousseau peut appeler à la parité dans le fait d'aller se faire péter la gueule par les forces de l'ordre Parce que c'est aussi ça, la parité. C'est pas juste pour gérer des entreprises du cas 40. C'est aussi, à un moment donné, il faut aussi appeler à la parité quand il euh, faut ramasser les poubelles quand il euh, faut faire des, des métiers qu'on n'a pas envie de faire, et quand il faut se faire péter la gueule, parce que euh, Sandrine Rousseau elle veut de la violence. Donc est-ce que Sandrine Rousseau, à l'inverse de ses collègues insoumis, de certains de ses collègues insoumis, comme Louis Boyard par exemple, qui eux sont allés se faire gazer, Antoine Léomand qui lui est allé prendre un coup de matraque, s'est mis en scène ou pas, j'en sais rien, mais je, je reconnais leur courage euh, d'être allé au front, symbolique, mais au front quand même, euh, et Sandrine Rousseau elle était où en fait parce que appeler à la violence quand euh, tu restes dans ton canapé, poltrone sofa, a de della qualità, et ben en fait, euh, t'es une pompe à vélo. Voilà, ou une pompe à bicyclette. Voilà, si on reste dans l'italien. Donc, euh, pas la personne, la langue, j'entends. Euh, donc, euh, il faut arrêter les conneries. C'est-à-dire que c'est là où on voit s'écrouler aussi le néo-féminisme de Sandrine Rousseau. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau, euh, pour moi, elle sera sérieuse quand, par exemple, elle mettra en avant le fait que euh, sur les chaînes de montage dans les usines, il n'y ait pas la parité non plus homme-femme. C'est marrant, hein Parce que ce qui intéresse Sandrine Rousseau, ce sont les postes à plus haute rémunération. C'est cocasse. Et, tu vois, pour les éboueurs, on ne les entend pas manifester, les néo-féministes. Il faudrait autant des boueuses que des boueurs. C'est marrant. Tu vois, il n'y a pas ça. Y a pas, y a pour les égoutiers, par exemple, dans la profession des Hein, ça, ça fait chier, ça pue la merde toute la journée, tu vois. Y a, y a, là, on ne demande pas la parité. C'est le CAC 40, c'est la politique, c'est les médias, c'est la culture. Donc, et là, et là maintenant, Sandrine Rousseau, elle veut aller à la violence. Je, je rappelle le tweet, il y a Q666 qui, qui l'a loupé. Le, le tweet de Sandrine Rousseau, elle déclare aujourd'hui euh, sur Twitter, la seule issue possible à une colère populaire devient la violence. Voilà, je vous le remontre. Euh, bah, ok Sandrine, bah, vas-y en fait. Va faire la violence. Vas-y, vas-y. Mais, mais, mais vas-y, en plus, ça tombe bien, les CRS, t'as une grande majorité d'hommes. Donc tu pourras mettre fin au patriarcat avec tes points, en fait. Et ça aura encore plus de sens, symboliquement, tu vois. Donc va, lui péter la gueule. va leur péter la gueule au CRS. C'est des hommes. Donc euh, vas-y, tu vois. Donc euh, vas-y avec Alice Coffin, ou comment elle s'appelle, euh, euh, celle qui avait écrit euh, « Moi, les hommes, je les déteste », là. Pauline quelque chose. Pauline Hermange. Voilà. Pauline, Pauline Armange, pardon. Qui avait écrit un bouquin « Moi, les hommes, je les déteste bah, ». allez-y, en fait. Allez leur péter la gueule, en fait. Allez-y. Donc... Et c'est là où, je suis désolé, je reviens à quelque chose, et je, je, je m'excuse auprès des dames qui regardent la vidéo, c'est quelque chose je, volontairement sexiste, je le reconnais, mais euh, qui malheureusement euh, démontre aussi les limites de la négation euh, de, euh, de ces mouvements sociaux. Et loin de moi l'idée de dire, si aussi, aussi jamais il y a un fact checker, loin de moi l'idée de dire que les femmes n'ont jamais fait partie des mouvements sociaux, bien au contraire bien Au contraire, qu'on soit bien d'accord, il y a eu énormément de femmes dans les mouvements sociaux, les ladettes en Grande-Bretagne, du côté des spartakistes en Allemagne, Rosa Luxembourg, et bien évidemment qu'on soit bien d'accord. Mais le virage du néo-féminisme, c'est pour ça que je le distingue le néo-féminisme à la Sandrine Rousseau, à la Alice Coffin, Raphaël Rémi Leleux, des gens comme ça. Voilà, écrivez des livres, arrêtez de nous casser les couilles. Parce qu'en fait, les vraies féministes, euh, bah déjà elles travaillent. Hein elles font pas la tournée des plateaux pour vendre des livres qui sont lus par 14 personnes. Elles font pas des colloques pour expliquer la pénibilité du travail, euh, alors que la dernière fois qu'elles ont vu un bleu de travail, c'était sur Netflix, tu vois. Euh, les, 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 les féministes de terrain, on les entend pas en fait. Donc, euh, donc, tu vois, c'est plus compliqué. Et les féministes de terrain, elles manifestent, avant elles dans la rue. Et elles, elles, prennent le risque de se faire péter la gueule. Donc, appeler à la violence, euh, alors que le truc le plus violent que tu as fait dans ta vie, c'est manger de la viande. Tu vois, il voilà, faut régler les potards. Voilà. Je suis pas Bob Sinclair, mais faut régler les trucs à un moment donné. Donc, ça, ça m'embête. Ça, ça m'embête un petit peu. Et dans le même registre. Parce que lui, il va manger, je vous préviens. Ouais. Et tant pis. Il y aura des commentaires, oui, tu tapes toujours sur les mêmes. Je m'en bats les couilles. Voilà. Non, mais il faut aussi à un moment donné faire preuve d'autorité verbale. C'est Jean-Luc Mélenchon. Ah, ouais. Ah, il va manger demain. Ouais, il va manger. Sans transition. Hein. Je continue à gauche parce que de toute façon, j'aimerais bien vous dire des trucs sur, euh, sur la droite. Mais bon, les républicains, euh, ils sont trop occupés à, à tester jusqu'à quel point leur gorge peut ingurgiter des choses. Vous trouvez l'image que vous voulez. Je reste poli. Euh, et le RN, voilà, hein, fin de la blague. Le RN, si vous voulez, c'est le cancre au fond de la classe qui a compris qu'il pouvait naviguer autour de 10 de moyenne et que personne allait l'embêter. Mais il fait semblant d'être le cancre. Tu sais. Il jette des boules de gomme, mais vers le fond de la classe. Comme ça, il ne se fait pas chipper, tu vois. Donc, euh, aucun intérêt. Donc, au moins, on est clair, tu vois. Mais Mélenchon, il a fait un interview. On va le décortiquer ensemble. Après, on va parler de Marlène Schiappa et Michel Onfray. Ah, c'est une belle journée. C'est une belle émission qui vous attend. C'est une belle émission, je, on n'est pas couché, comme dirait l'autre. Euh, donc Jean-Luc Mélenchon, il a fait un interview dans le 20 minutes, parce que c'est vrai que, Palpatine, il est sympa comme tout, mais euh, place aux jeunes. Bon, je dire, tu peux perdre une présidentielle une fois, mais pas 15. Tu peux perdre une présidentielle deux fois, mais pas 15. Tu peux perdre une présidentielle trois fois, mais pas 15. Tu vois et là, Jean-Luc, lui, il est encore en piste pour 2027. Il n'a pas compris qu'il euh, avait des gens compétents dans son, dans son parti et que euh, ça, ça se voyait, en fait, sa stratégie. Ça, ça commence à se voir, en fait. Hein. Quand, tu, quand tu commences ta carrière, sénateur PS, tu fricotes avec les communistes, tu crées le parti de gauche, puis euh, la France insoumise, et que, en fait, tu es toujours au milieu du bazar. Le truc peut s'appeler comme tu veux. T'es toujours au milieu du bazar, en fait, t'es le centre du réacteur en permanence, à t'appuyer sur la tête des autres. Et aujourd'hui, la manœuvre ultime, qui est celle de la NUPES, où il, a, il aura réussi, et c'est ce qu'on va voir bientôt, hein, il, aura, il aura réussi à faire péter la gauche à lui tout seul. Alors, bien aidé par Emmanuel Macron en amont, qu'on se met d'accord, mais ce qui restait de la gauche, on va dire. Les écolos, l'extrême-gauche, le parti communiste. Euh, c'est marrant parce que... Il fait péter tout ça et ça dérange personne. La NUPES, qui était l'escroquerie politique du 21e siècle en France, hein, cette, cette, ce semblant de fusion des gauches, d'alliance des gauches, qui est juste une alliance de Jean-Luc Mélenchon avec son propre boulard, parce que depuis le début, l'idée, c'est que par résultat électoral, ce soit lui euh, qui soit la tête ad vitam aeternam de ce truc-là. Donc la NUPES, c'était, si vous voulez, euh, soit vous êtes avec moi, euh, soit vous êtes avec moi, ce qui était plus ou moins le projet politique de Jean-Luc Mélenchon avec la NUPES. Sauf que les autres bah, commencent à comprendre qu'ils se sont fait avoir. Tu sais, c'est vraiment le mec, tu lui files 2 euros, tu regardes ton portefeuille, t'avais un billet de 20, il n'y a plus de billet de 20. Donc ça fait chier. quoi. Il commence à se dire, Marine Tondelier, euh, Olivier Faure, Roussel, je veux dire, bon, il n'est pas tombé non plus sur les plus courageux. Ce n'est pas les Avengers qu'il a en face de lui. Et même eux sont montés au créneau en se disant, merde, est-ce qu'on s'est fait baiser ou on s'est pas fait baiser, Jean-Luc et, euh, et là, il est en train de leur dire, vous vous êtes fait baiser. Ouais. Mais globalement, euh, il dit ça à tout le monde, hein, Jean-Luc Mélenchon. L'interview, je vous lis quelques passages, c'est euh, là encore le champ du signe. Je pense que la vie politique française, de toute façon, dans son ensemble, est en train d'exploser, voire d'imploser. En fait. euh, on arrive au bout de quelque chose. On est en train de comprendre que l'escroquerie euh, n'était pas celle d'un parti ou deux qui traînait par-ci par-là. C'est une escroquerie généralisée, où ces partis existent parce qu'ils ont réussi. À tromper leur monde le plus longtemps possible. C'est comme un tour de magie. Euh, il faut que le public accepte que ce soit un tour de magie et que le public accepte d'être dupé. Et tu peux le faire pendant quelques années, mais au bout d'un moment, les gens l'ont vu, l'ont revu, l'ont re-revu et commencent à voir les ficelles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour tous les partis, sans exception. Et Mélenchon fait un interview. C'est de l'art contemporain. Normalement, c'est Jeff Koons, ce truc-là. Je vais vous lire quelques passages. Bon, ça tape sur la réforme des retraites, bien évidemment. Euh, on a quoi d'autre euh, On a l'article 40. On a euh, Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend à, à Emmanuel Macron. Hein. La forme républicaine de l'État est gravement endommagée. Les droits fondamentaux consubstantiels à l'idée de république sont tous mis en cause, à commencer par le droit d'amendement de manifester avec des interdictions dans les départements entiers. La condamnation des casseroles, c'était déjà le cas avec les Gilets jaunes. Il y avait déjà des arrêtés préfectoraux, ce qui n'a pas empêché Jean-Luc Mélenchon de soutenir euh, lâchement, mais de soutenir quand même Emmanuel Macron. Avec Monsieur Macron, nous ne sommes plus vraiment en République, c'est certain, mais nous sommes aussi en train de sortir du cadre de la démocratie. Voilà. Donc, euh, c'est pas comme si que... Euh, il y a un tout petit peu plus d'un an, il l'avait soutenu pour faire barrage au fascisme. Tu vois. Donc, pompe à vélo numéro un. On continue. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, Jean-Luc Mélenchon considère qu'Emmanuel Macron, c'est l'extrême droite en fait. Le monarque présidentiel est dans un délire de toute puissance. Il multiplie les réceptions à Versailles et assume une omniprésidence. C'est important de montrer la dérive du personnage, son évolution idéologique. Il a d'abord souligné les talents de Pétain et de Maurras, deux traîtres et antisémites notoires. Il fait maintenant la leçon à Mme Borne parce qu'elle rappelle la filiation historique entre Pétainiste et Front National. Alors que le mec travaille avec Roussel, qui est du Parti communiste. Hein, en termes d'héritage historique, honnêtement, même à partir de la 5e, 4e, tu as des notions. Tu vois. Et en fait, il te dit euh, M. Macron est aujourd'hui plus proche de M. Orban en Hongrie que de Sanchez en Espagne. Parce qu'en fait, ce que tu ne savais pas, c'est que Macron, c'est l'extrême droite, en fait. C'est le nouveau truc. Hein, L'interview date d'hier, du 5 juin. Enfin, attends, on va vérifier, je vais vous dire exactement. Il date du. Euh, elle est où la date euh, 4 juin. 4 juin, excusez-moi. Donc, euh, c'est du tout frais. Voilà. Et en fait, Emmanuel Macron, c'est l'extrême droite. Et ça, vous ne saviez pas, vous. Et il continue, hein, il a dit. Hein, euh, nous, insoumis. Alors déjà, nous insoumis. Voilà. Déjà, c'est nous. Euh, Peut-être tu pourrais. Non. Nous insoumis. Euh, ne partageons plus trop cette appréciation parce que le nombre de votes communs entre le RN et la majorité renaissance est considérable. Par ailleurs, le gouvernement m'insulte régulièrement mais continue d'avoir une tendresse à l'égard des violences d'extrême droite. Alors, on fait un premier arrêt ici. Hein. On fait un premier arrêt ici. Euh, bon, premier niveau, j'imagine que Jean-Luc Mélenchon ne découvre pas aujourd'hui, si tenté que ce soit le cas, qu'Emmanuel Macron est d'extrême droite. Donc, quand il s'agissait en 2022 au présidentiel de faire barrage, à l'extrême droite, du coup, laquelle Parce que si les deux c'est pareil, c'est que d'une certaine manière, il en a encouragé une. Et ensuite, euh, le chantage au fascisme et à l'extrême droite, jusqu'à quand en fait Parce que euh, s'il réussit à faire avaler la pilule que Macron, c'est l'extrême droite, c'est là les balèze. Parce qu'au bout d'un moment, tout ne peut pas être d'extrême droite. Je veux dire, tu sais, quand tu gardes ta bagnole... Tu, tu fais un créneau, il n'y a pas assez de place. Oh, extrême droite. Enfin, au bout d'un moment, non. Même si la place est sur le côté droit de la chaussée, ce n'est pas entendable. Tu vois, ton grille-pain, toi, tu te fais tes tartoches le matin, tu sors, elles sont cramées. Oh, extrême droite. Enfin, non. c'est pas valable. C'est pas valable. Euh, donc, au bout d'un moment, euh, je, je crois que ce chantage-là est bidon est nul et non avenue, parce que de toute façon, Marine Le Pen n'est pas l'extrême droite au sens où Jean-Luc Mélenchon pense le dénoncer, Marine Le Pen n'est pas Pétain, c'est pas Orban, c'est pas Hitler, c'est pas tout ce qu'on veut, euh, d'autant que si on va au bout de son raisonnement, si Le Pen c'est Pétain par filiation historique, qu'est-ce que Fabien Roussel Est-ce que ça aurait du sens de dire que Fabien Roussel est l'héritier de Staline C'est ça, en fait, si vous voulez. Bien sûr qu'il y a des filiations historiques, je les reconnais, ce serait idiot. Mais euh, quand vous êtes allié avec un communiste et que vous reprochez au Rassemblement national d'être lié à Pétain, euh, là, ça s'appelle de la mauvaise foi. Donc c'est là où l'argument historique ne tient pas. Et donc avoir soutenu Emmanuel Macron pour aujourd'hui dire c'est l'extrême droite, est-ce que ça revient à dire que Jean-Luc Mélenchon soutient l'extrême droite Si on se met à son niveau de logiciel politique, dire quand euh, euh, LREM vote des, des, des propositions de loi à l'Assemblée avec le RN. Mélenchon et ses copains ne font que dire euh, ah ben vous êtes allié avec le RN, donc vous êtes le RN. Il euh, ben faut peut-être pas déconner en fait, toi. Donc, euh, donc moi je, je, si vous voulez, je me mets au niveau, je me mets sur la forme de l'argumentation. Sur la forme de l'argumentation, c'est une mauvaise foi sordide qui devrait se retourner contre Mélenchon. Au bout d'un moment, arrêtez ces bagarres à la con. Regardons les partis pour ce qu'ils ont à proposer, et là on va comprendre que RN, LFI, LR et compagnie sont des putains de coquilles vides et qui n'existent que sur ce genre de polémique médiatique où ils se renvoient les uns aux autres. Ouais mais toi extrême droite, ouais mais toi Pétain, ouais mais toi la République c'est moi. Et pendant ce temps les gens ne regardent pas le réel projet politique de ces gens-là. Mais quand on le regardera, vous comprendrez que Mélenchon, une fois qu'il a cessé de hurler, c'est une pompe à vélo. Aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, c'est un tribun. Oui, c'est quelqu'un qui a un sens politique. D'accord Mais pour faire quoi, du coup Concrètement, si, si on le regarde froidement, et je sais qu'il y a des spectateurs qui, qui soutiennent Mélenchon, tout comme il y en a qui soutiennent l'extrême droite tout ça, bien évidemment. Mais regardons-le froidement. C'est le juste milieu, on est là pour se creuser la caboche. Quelles sont les réussites politiques de Mélenchon Concrètement. On peut dire la nupes avec le nombre de députés. Sauf que c'est un groupement de, euh, de partis. Donc c'est pas Mélenchon seul. Euh, tout comme le RN, hein, tout comme le RN, qu'on soit bien d'accord. Les victoires politiques du RN, c'est quoi D'être au second tour et d'être le meilleur ennemi d'un pouvoir et de jouer là-dessus. Alors, 89 députés, 88 aujourd'hui. Ça, effectivement, c'est un marqueur. Mais, euh, mais au bout d'un moment, faut, faut arrêter. Ça devient lamentable. Et un autre point sur l'interview de Mélenchon avant d'aller sur Marlène Schiappa. Et on ferait, là, on va rigoler. On va être un petit peu plus détendu. Euh, un autre point, mais que j'ai trouvé mais aberrant. Euh, je vais vous le retrouver. Euh... Euh, la question, hein, euh, vous revendiquez depuis plusieurs années la stratégie de conflictualisation pour éveiller les esprits. N'y a-t-il aucune, min... une... aucune limite Mélenchon répond. Il n'y a pas le début du commencement d'une trace de violence physique de la part d'un quelconque insoumis. Voilà. Je vous laisse. Je vous laisse libre hein, d'interprétation sur... Ce euh, propos, on en garde, des... on embrasse évidemment Adrien Quatennens qui nous regarde. Euh, on a quoi d'autre que je voulais vous dire qui est vraiment, mais euh, que je trouve formidable euh, nanana, nanana, nanana. Alors, oui, alors, il, il cite le manifeste du Parti communiste à un moment donné, si vous voulez. Euh, C'était quoi C'était. Voilà, un jour ou l'autre, Quatennin reviendra dans la course. Hein, donc, comme quoi, apparemment, les violences conjugales n'excluent pas de facto un personnage politique. On a plein de petites pépites comme ça dans l'interview. Et il y en a un autre. Ah, euh... oh, je ne le retrouve plus. Merde. Euh... Voilà. On nous parle de violence verbale, mais tout est relatif. Évidemment, pour les bourgeois et la bonne société, le travailleur est toujours grossier, vulgaire et excessif. On nous dit vous ne devez pas vous comporter comme ça il faut mettre une cravate. Oui, et mes chaussures sont-elles assez cirées Quelle est cette prétention de la classe dominante à donner des leçons de maintien à tout le monde, tout le temps Il faut arrêter ce petit numéro d'indignation surjouée. Alors, Jean-Luc Mélenchon qui dénonce l'indignation surjouée, déjà, faut bien s'accrocher à son slibard. Et ensuite, euh, Jean-Luc Mélenchon est un bourgeois. Est-ce qu'on peut le rappeler, à un moment donné, en fait euh, Je vous dis, l'interview, on peut le disséquer pièce par pièce, et tout comme on le fera avec plein d'autres gens, mais cette interview, c'est n'importe quoi, de bout en bout. Et c'est euh, de la roue libre, roue libre complète. Donc, euh, ça me ah, ça me rend grognon. Je vous avoue que ça fait partie des choses qui me, qui me rendent grognon. Je vais mettre un coup d'eau. dans le chat que vous en pensez, bien sûr. Il y a Phantom Lord 669 qui nous dit Le problème, c'est que sans médias, ils sont invisibles. Par exemple, les souverainistes, c'est un système tordu, bordel, ça rend dingue. Soit tu es une pute médiatique. Il y avait des étoiles, mais je que c'est ça le mot soit tu peux pas jouer en tout cas c'est généralement comme ça que ça se passe et personne a de solution on passe notre temps à constater c'est triste glauque et énervant euh... Jarod du Sud qui dit mort de rire j'aimais bien Mélenchon mais même moi il me fatigue <laughs> je t'avoue que je suis plutôt content de lire ton commentaire ça me rassure parce que je peux comprendre aussi qu'on pense qu'à un moment donné je m'acharne mais là je trouve ça assez euh, assez dingue quoi euh, coco frigo qui met un bonhomme avec un petit sourire Sympa. Morine qui dit un bourgeois comme les Le Pen, mais absolument, absolument, les Le Pen sont des surbourgeois, des très beaux bourgeois. Tout à fait d'accord avec toi. Euh, on a quoi d'autre euh, Twitch mais rigole qui répond à maliker je prends soin de moi, je suis pas encore de taille à encaisser le monde dans lequel on vit. Euh, Rico, Rico Del Toro, Rémi, peux-tu cesser de dire que le RN est d'extrême droite à la limite qu'il soit d'extrême serpillérisme ah Oui, non, mais. On est d'accord, on est d'accord. Mais de façon, les, 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 ça, ça c'est clair. Le problème, c'est que cet argument-là, ce qui est marrant, c'est que euh, quand vous dites oui, le, Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, tu as souvent des gens qui tombent dessus en disant ouais pour toi ils sont pas assez durs. Faudrait mettre les ratonnades et tout. Non non, c'est juste que si tu prends les définitions historiques de, de, des tendances politiques, ils sont pas d'extrême droite. Mais peu, vraiment très peu. Et donc bon, c'est, mais euh... bon, faut que ça, faut que ça marche aussi. Hein. Non, non, c'est assez... Dingue. Alors Twitch rigole qui dit après il a ramené aux urnes quelques personnes qui avaient perdu espoir. Ouais mais... Euh, est-ce que pour autant ils ont plus d'espoir aujourd'hui Ou est-ce qu'on leur a juste vendu euh, une poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre, mais qu'a juste un autre goût C'est aussi ça le truc. Qu'il ait ramené des gens aux urnes, je veux bien, mais si c'est pour mieux les tromper derrière, euh, c'est reculer pour mieux sauter, comme on dit. Il y a le kangourou. Donc non, je suis je suis pas sûr je suis pas sûr stealth 5 qui dit je, je pige plus c'est quoi l'extrême droite alors Zemmour mais, mais mais même pas mais politiquement même pas bah, tout simplement quand on fait la filiation entre Pétain euh, Maurras surtout Maurras et Marine Le Pen mais bah, regard, regardons regardons ce que ce que disaient, ce que pensaient ces gens-là euh, merci à fils de joie 514 qui vient de C'est troisième mois merci beaucoup euh, Zemmour Zemmour est un clown la, la mesure d'extrême droite de Zemmour, c'est quoi C'est revenir au calendrier euh, au, au, concernant les prénoms. C'est tout. Le reste, même les, les mesures qui semblent un petit peu rudes sur l'immigration, il ne pourra pas les appliquer sans sortir de l'Union Européenne. Ah, tu sors de l'UE, toi Ouais, mais c'est ouais, sûr. Je voulais pas te couper. T'inquiète, monologue, donc... bon, pas de problème. Cool. À demain, je suis en pleine porc, je je vois, vois, Le resto culture, là. Ouais. Le resto -culture là. Ouais. Ça rigole pas, hein. ouais. soir, on bosse, j'ai faim. Euh, ouais. Allez, Donc voilà un petit peu, les amis. C'est vrai qu'on tourne en rond, mais à chaque fois, on a de, de nouvelles billes pour s'émouvoir sur ces sujets-là. Mais on va y aller sans transition. Voilà, petite, petite coupure, et je sens que ça va vous plaire, cette histoire-là, avec Michel Onfray. Michel Onfray, les amis. Euh, qui nous a fait une belle sortie sur Eric Dupont moretti c'était sur Europe 1, hier, chez Sonia Mabrouk. On va écouter ça, alors on va pas redire ce qu'on a déjà dit sur Michel Onfray. Tu vois, ça me fait bailler d'avance, tu vois. Avec les histoires de « oui, mais il avait dit les non-vaccinés, tout ». On en a déjà parlé. Euh, mais euh, intéressant ce qu'il dit, et c'est un nouvel élément sur Dupont moretti on regarde ça et on... Je vous mets la séquence, bien sûr. Euh, pour que vous compreniez hein, sur euh, sur quoi s'appuie euh, la réponse de Michel Onfray, c'était une séquence de Dupont-Moretti dans euh, Quelle époque sur France 2 Je vous la mets, vous regarderez après, enfin on, après on écoute l'analyse de Michel Onfray. Marine Le Pen, quelle question vous lui poseriez Qui préférez-vous, Pétain ou Poutine Ouf. Euh, Est-ce que vous, vous êtes rendu euh, au mémorial de la Shoah à Paris parce que il y a le décret euh, dans lequel Pétain, de sa propre main, euh, aggrave la situation des Juifs français. Voilà, donc tu vois, bon, c'est du, euh, c'est du France 2, voilà, en toute objectivité, les Salamé et tout, sur une séquence, voilà, oui. Quelle question poseriez-vous à tel personnage politique Et là, Michel Onfray répond, et je trouve ça plutôt intéressant. Enfin, reprend, on reparle de cette séquence. Donc, euh, vous voyez, la, la, la réponse d'Onfray, c'est un nouvel élément que je trouve plutôt, plutôt intéressant sur le fait que, effectivement, euh, dupont moretti alors, à la surprise générale, et ça, je ne peux pas euh, vous cacher mon étonnement. Je suis, je suis étonné. Étonné. Apparemment, ce serait aussi une pompe à vélo. À un succès, euh, euh, je ne sais pas, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est intéressant. on frère qui, euh, comme souvent, a pas sa langue dans sa poche. Alors parfois pour dire des conneries. Effectivement, on se rappelle, on, on en a parlé cette histoire sur ses propos sur les non vaccinés qu'il euh, qu comparait euh, à, à des violeurs. Hein. Euh, on a eu plus récemment hein, sur le complotisme ou pour lui en fait c'était l'antisémitisme pur jus. là on a des voilà on a un nouvel élément alors bon on sait qu'on ne risque rien hein. c'est quand même c'est quand même l'avantage euh, on ferait ne risque rien donc on a une, une, une aisance médiatique qui fait qu'il il peut sortir des petits des petits pics à brochettes de temps en temps euh... mais qui ne change pas le goût de la soupe mais bon c'est à creuser à creuser quand même effectivement sur le, le, la, la réalité de la carrière de EDM, comme on l'appelle, hein, pas équipe du Maroc, et c'est Eric Dupont Moretti. Donc, alors, apparemment, vous ne l'aimez pas dans hein, le chat. Hein, ouais. Gotham qui dit perso, je préfère mon frère Ducon Moretti. Si de demande sympa. Euh, subskills, j'aimerais tellement qu'ils lui disent pourquoi vous parlez de ça Tout le monde s'en fout complètement de ces histoires de Pétain, Parlons plutôt des retraites. Euh, spectra aberrant, tout ça, c'est du théâtre. pas ben merde, alors, Debord avait raison, C'est vrai, Guy Debord, bon, on rince. Uh, Twitch me rigole, je force à partir du moment où tu as défendu les pédocriminels, c'est terminé, c'est un cancer, ce mec des os pour le spam. Et effectivement, on rappelle hein, Dupont-Moretti, qui était avocat, avocat au moment de l'affaire euh, d'Outro, et, euh, et je, je, je vais essayer de vous retrouver une séquence, mais euh, ça fait froid dans le dos quand même, ce qui était dénoncé euh, sur lui. Euh, regardez par exemple. Hein, euh, qu'on pouvait voir les séquences à l'époque. Il y a celle-ci, par exemple. Très bien, ça brosse va, la va forme. Vous appréhendez ce procès attention, attention. Avez... C'est un procès qui n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, si vous voulez gratter un peu, vous verrez combien de gens ont été à la fois jugés aux majeurs et aux mineurs pour les mêmes faits. Et vous n'en trouverez pas beaucoup. Vous, vous les appelez les acquittés nous, on les appelle les innocents. Il euh, y a 10 ans qu'on leur pourrit la vie. Il y a dix ans qu'on pourrit la vie de tout le monde. Même 15 ans. Il y a dix ans que tous les avocats ici reçoivent des lettres anonymes, dégueulasses. On vient ici pour dire un certain nombre de choses et pour dire notre exaspération totale. On n'a pas accepté, et l'institution judiciaire, enfin une partie d'entre elles, évidemment, n'a pas accepté ces acquittements, n'a pas accepté la mise en cause de M. Euh, Burgot. Je ne crois pas que ça pose une difficulté en soi de juger dix ans après. C'est vrai que ce procès-là est un procès très important euh, parce que c'est une affaire qui est sensible, qui nous touche tous. Quelle que soit la façon dont ça nous touche, ça nous touche. Ah, Et a, ce, ce reportage qu'il a de 8 ans hein, sur le procès d'Outreau, qui est du pont Moretti qui était là, qui défendait les, les, les acquittés d'Outreau, euh, c'est dire, c'est dire le monsieur qu'on qu a en face, lui qui disait par exemple avoir l'honneur de défendre le frère de Mohamed Mera, on s'en rappelle également. Euh, Qu'un avocat, effectivement, que, que tout le monde, donc ait le droit à la défense. Bien évidemment, c'est un des euh, c'est un des piliers de la justice française. En revanche, parler d'un honneur de défendre quelqu'un euh, ainsi, c'est peut-être voilà, c'était peut-être pas nécessaire. Donc voilà, ce monsieur qui donne aujourd'hui des, des leçons. Euh, bon, voilà, hein. euh, voilà, voilà. Donc euh, c'est assez assez terrible. Euh, mais du Moretti, voilà. On a à mon avis, pas fini d'en entendre parler sans transition. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une vidéo parce que j'ai entendu, j'ai vu passer le truc. Ça m'a, euh, ça m'a mis les chocottes. Ça m'a mis les chocottes sans transition. On passe du coq à l'âne, hein, surtout bah, de l'âne au coq. <laughs> C'est pas fou. Mais euh, Apple, Apple a officialisé. Vous avez peut-être entendu parler le Apple Vision Pro. C'est le nouveau casque de réalité virtuelle d'Apple qui espère, ça y est, pour de bon, faire entrer cette merde dans nos vies, avec au moins un teaser qui a le mérite de l'honnêteté. Vous allez voir, je vais vous le diffuser, c'est sur la page officielle de Tim Cook, l'actuel PDG de Apple. Et là, c'est officiel, regardez-le bien, c'est la pub de ce nouveau truc à plus de 3400 dollars. Effectivement, on est pas mal. C'est parti. On y est, on y est, hein. on y est dans la science-fiction comme on l'aime. Euh, ça y est, c'est parti. Euh, est... Je voulais vous le montrer parce que on a tous vu des films hein, du genre où on pouvait voir ce genre d'outils, ce genre de personnages qui avaient ça sur la gueule. Et, euh... Et là, on y est. Et là, on y est. Je pense qu'effectivement, il hein, y a Gab Venturi qui nous le dit dans le chat. Je pense qu'il va y avoir la queue pour ce genre de merde. Euh... Et, euh, et c'est vrai que euh, je voulais vous le montrer. Merci à Soldona, qui va de Sopram, 9 mois, merci beaucoup. Euh, c'est excellent parce que ça, ça officialise, en fait. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous, si vous êtes d'accord avec ça, ou si peut-être je m'emballe, mais merci à Sol qui va de Sopram également, le 9 mois, merci beaucoup. Euh, je, je trouve que ça officialise euh, la science-fiction. Ça, 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 ça y est, on y est, quoi. On y est. Euh, on, on voit tout ça euh, je pense par exemple à euh, super film de Spielberg j'avais trouvé vraiment cool ready player one où ils ont des trucs comme ça euh, c'est vraiment intéressant je trouve que c'est vraiment intéressant euh, on voit la société qui déboule cette société de, de l'individu euh, sous perfusion quoi. sous perfusion euh, que ce soit sur l'argent que ce soit sur la drogue euh, que ce soit sur euh, sur le réel c'est-à-dire qu'on est sur une perfusion d'un autre réel et, et ça c'est presque philosophiquement je trouve que cet objet alors pour l'instant hein, Google avait testé le coup ça n'avait pas très bien marché Microsoft non plus pour l'instant il n'y a eu que des fours là-dessus mais euh, mais il y a des tentatives il ne lâche pas le morceau ils ne lâchent pas le morceau donc euh, je, je trouve que c'est vraiment chouette. À, à l'occasion, vraiment regarder ce, ce film, Ready Player One, euh, de, de Spielberg, qui est vraiment chouette. Euh, dans le chat, hein, dites ce que vous en pensez, les amis, à votre avis. Est-ce qu'on est est qu fantasme la gravité de tout ça, ou est-ce qu'on on, on passe un cap Il y a Césemal qui nous dit ma fille de 16 ans a vu l'annonce hier soir, elle a eu peur. Euh, c'est intéressant. Hein euh, Tlazolt qui dit tant que c'est pas sur les lentilles, c'est ridicule et pas pratique. Euh, genre, dessus, le problème là n'est pas le produit, c'est l'utilisateur. Effectivement, oui, effectivement. Hein. J'achète, on ne se verra plus jamais plus aucun contact. Ouais. Ah, je vous préviens, le premier qui me regarde en Twitch avec le casque, je viens chez lui, j'y pète la gueule. Je préfère vous dire tout de suite. Alors, si, par, voilà, si malencontreusement, ce monsieur, cette personne est euh, première ligne de rugby, bien sûr, elle aura tout le loisir de regarder son émission. Comme elle, le souhaite, comme elle le souhaite, bien sûr. Il n'y a bien sûr aucun problème. Euh, voilà. Ça, c'est important d'avoir quand même une certaine dose de lâcheté hein, que j'appellerai moi, plutôt prudence. Donc, voilà. Non, c'est vrai que c'est zinzin, zinzin. Il y a qu'à l'Italie qui l'ont dit vous êtes trop pessimiste. Effectivement. Hein. C'est intéressant. intéressant de voir les, les différents points de vue, les copains. pour ça qu'on en papote. Il y a Phantom Lord 669 qui nous dit D'ailleurs, je vais hors sujet. Je cherche le nom d'un film. Impossible de le retrouver. C'est un film plutôt gros budget aux USA vers 2010. Où les gens sortent avec leurs robots à leur place. Tout le monde reste enfermé chez lui et vit leur vie via leurs androïdes qui ressemblent très pour très à un humain. Puis à la fin, les robots ne fonctionnent plus et du coup, ils doivent tous sortir avec leur vrai corps. La caméra monte dans les airs. C'est genre l'aube si quelqu'un a le nom. Alors là. J'en appelle à la communauté, les copains. Bah, Irobot, peut-être, hein, je ne sais pas, ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas, les amis, si vous avez des idées. Clone, pour notre dieu no, uh, schwab Mnoski. Clone, apparemment. Un film avec Bruce Willis. C'est Clone, c'est ça On est bon là-dessus. Apparemment, c'est ça. Hein. Ça a l'air d'être Clone avec Bruce Willis. Voilà. Alors, apparemment, euh, je crois que tout le monde est OK là-dessus. Moi, j'aurais dit mille et une pattes, mais. Euh... Voilà, Clone, apparemment, c'est ça, ouais c'est c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien voilà donc voilà non, mais c'est aussi l'esprit justement on recherche des films on, on bricole on va drôler, non ça fait plaisir puis moi j'ai j'ai mangé une putain de pomme verte à midi c'est pas c'est pas épais hein. c'est pas épais euh, mais ouais non non je voulais vous montrer ça ça m'a ça m'a marqué hein. ça c'est c'est cocasse hein. c'est cocasse mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise S'il y a aussi Barbie qui va sortir au cinéma. Ça, ça je comprends. Alors, ça aussi, tant qu'on est un peu dans le sinoche, euh... c'est quoi cette histoire de film, Barbie Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe bon. On va se mettre la bande-annonce de Barbie et après, on va parler de Marlène Schiappa. Voilà. Comme ça, vous serez pas perdu. C'est important pour moi. Euh, je comprends pas. C'est quoi cette histoire Barbie Il y a le film Barbie maintenant. On va regarder là-bas. Je l'ai pas vu encore la nouvelle là, parce qu'il y, y en a plusieurs. Hein. Ça aurait été con, tu vois. Et puis as Margot Robbie et Ryan Gosling dedans. Ouais. Tant qu'on est dans le progrès, hein. le casque Barbie au sinoche on regarde et après on parle de Marlène Donc le portrait de Marlène Chiapa dans Libération, hein, sans transition naturellement. Et d'ailleurs pas tant que ça. Euh, donc 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 euh, on a eu Libération qui nous a fait un portrait. Alors là alors, alors on va se faire plaisir. Vous allez voir il y a eu de très belles choses. Euh, là euh, une, un hein, Calamity Chiapa déjà. Euh, moi, j'aurais peut-être titré "la précieuse ridicule", peut-être. Hein, je pense que c'était plus concerné, mais puis on touche pas au Far West. Moi, j'aime le Far West, j'aime la Winchester. Euh, alors, petite précaution avant le décollage. Hein, petite, petite précaution. Euh, ce portrait est une saloperie médiatique, hein, dans la mesure où le vrai sujet aujourd'hui est le fond Marianne, qui est ce qu'on peut appeler. Alors, le terme est un petit peu désuet de part, malheureusement la multiplicité des affaires, qui est ce qui s'appelle un scandale d'État. Hein quand euh, de l'argent public n'est pas donné aux fins euh, annoncées, aux fins médiatisées, à la suite, en plus d'un attentat terrible qui était celui de l'assassinat de Samuel Paty, quand cet argent public-là n'est pas donné dans le but initial et qu'en plus, il est donné d'une certaine manière pour servir la cause du gouvernement ou en tout cas sa communication et défendre son action, je pense par exemple aux 60 000 euros donnés à Conspiracy Watch là, on touche à un scandale d'état qui, dans beaucoup de pays, aurait entraîné immédiatement la euh, démission minimum des personnes de, de la personne ou des personnes concernées. en france, on a Libération qui nous fait une, une calamity chiapa et qui nous révèle vraiment des trucs dont tout le monde se branle. Euh, sur marlène chiapa, pour d'une certaine manière l'attaquer, rajouter des éléments, mais qui ne sont pas euh, les éléments centraux sur lesquels on aimerait avoir euh, des on aimerait en savoir plus ce qui s'appelle précisément un contre-feu et là alors là dans ce truc euh, ah, je, presque je devrais vous le lire en entier après je ne peux pas vous mentir j'ai pas envie mais il euh, y a des trucs formidables on apprend euh, voilà hein. déjà il y a l'officialisation alors je suis content parce que hein, jusqu'à présent c'était une rumeur c'était pas sûr même elle n'avait pas dit oui on apprend que Marie Minelli l'auteur de Les Filles bien, pas, Navalpa, eh bien Marlène Chapa hein, ils nous le disent ils nous le disent, hein, euh, l'ultime transgression, l'occasion d'afficher plein phare son pouvoir politique et la puissance érotique qui nourrit sa plume graphomane dans tant d'ouvrages signés sous pseudo ou pas depuis plus de dix ans. Alors, hasard du calendrier, Libération n'a pas choisi Les Filles Navalpa, ou encore l'incontournable sexe, mensonge et banlieue chaude, là ils ont pris Oser l'amour des rondes et oser l'orgasme féminin. Qu'ils avaient peut-être pas le catalogue sous les yeux, donc ils n'ont pas pris euh, les pires, mais ça voilà, c'est la vie. Euh... Mais je vous dis, le, 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 je, je, en fait, je vais vous lire des passages, mais je vais presque tout vous lire. Le truc est pépite. Hein. Euh... Déjà, bon, a, pour moi, il y a des petites vannes. Le journaliste s'est fait plaisir. Là, on a un paragraphe qui commence aussitôt sorti de l'intérieur avec un i majuscule. Euh, voilà, moi je pense qu'il y a des petites vannes. Devenu secrétaire à l'économie sociale et solidaire, Chiapas s'est offert son Playboy. Choix des tenues, robe bouffante à nœuds, moulante, bottine, loup-boutin. Euh, Validé par les watts son cabinet et sa bande de copines baptisées les L5, comme le groupe révélé dans Popstar au début des années 2000. La séance photo eut lieu début janvier. Donc en plus, euh, ça c'est très intéressant parce que euh, la publication a eu lieu trois mois après. Et on voit. Euh, ce scandale qui a été monté de toutes pièces, la séance photo a eu lieu en janvier, les copains. Qu'on vienne expliquer ensuite que c'est le hasard du timing de la publication. Tout ça est calibré, il y a les ententes, il y a des ententes claires entre certains médias et certains membres du gouvernement. Donc, c'est hallucinant. Euh, c'est vraiment hallucinant. Euh, on, Chia, euh, fin, Libération, même s'ils font aussi pour moi un travail d'écran de fumée, mine de rien révèle des éléments, et c'est assez intéressant à observer. Euh, on a quoi euh, Des choses, mais je veux dire... « Ça branle dans le manche, comme elle le dit souvent, en imitant le président. Sa voix de mijauré aime, paraît-il, s'encanailler en mode salle de garde. Mais devant nous, mardi, dans son bureau de la rue de Grenelle, les mots sont pesés, les cheveux attachés. Je suis sereine, je n'ai rien à me reprocher. L'histoire le dira, balaît-elle, citant les politiques injustement traînées dans la boue. Pierre Bérégovoy, Dominique Baudis, rien que ça. » Mais rien que ça, tu vois, j'ai des remontées acides. C'est. Euh, C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je veux dire. Il rappelle aussi également cet épisode un petit peu trop vite oublié. Euh, la secrétaire d'État a appelé Brigitte Macron tenté d'approcher son époux lors du sommet. Chouze France, vous vous rappelez à Versailles il y a quelques semaines, avant de se voir éconduite, la scène rapportée par le canard enchaîné à la fureur de chiapa qui la jure fausse est confirmée à libération par un invité du premier rang. Marlène s'est pointée comme une fleur tout en fouchia, on n'a même pas eu le temps de la saluer, le chef du protocole lui a demandé de partir avant l'arrivée du président. Mais la lourdasse, quoi, la lourdasse qu'est cette femme, la lourdingue terrible qui se pointe en plus quand on parle même pas d'elle. Mais le niveau de cette dame. Je, 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 et le pire, c'est que je pense qu'elle n'est pas conne. Elle n'est pas conne. Et on va comprendre, hein, parce qu'il y a un passage qui est très intéressant aussi. Hein. Euh, je pourrais tout vous lire, parce que vraiment, euh, voilà, on a euh, sa trajectoire, tu vois. Euh, sa trajectoire. Bon, okay, okay, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Bon, euh, oh, la meuf, voilà, d'où elle vient, que font ses parents et compagnie. Euh, comment elle a commencé à faire de la politique avec un énorme pistonnage classique, tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, euh, On a des trucs, bon, à la con. En fait, elle met en avant le côté qu'elle voilà, n'a pas le même parcours que les autres et son abrutissement est un gage de justification de sa place, quoi. Alors, abrutissement volontaire ou pas, tu vois, elle a gardé son style, ses vêtements HM, son appétit pour les steaks frites, si fière de dire à ses collaborateurs non-énarques, on est les tuches du gouvernement. Donc, brandir sa propre médiocrité comme justification de sa présence. Euh... Et voilà. Hein elle n'a cessé d'insister sur ses origines modestes, même si ses parents étaient tous deux enseignants rotskiste, lui, prof d'histoire, tendance lambertiste, elle, institutrice, puis proviseur, tu vois. Donc, même son parcours est fait, on va dire, de raccourci. Un petit peu, quand même. Euh, et, alors, un autre élément, hein, moi je, je vous le lis, hein, ceux qui étaient là hier soir sont, me, me voient venir, bien sûr. Euh, faut que je le retrouve. Déjà, hier, j'ai eu du mal. Tu vois, je baille, en plus. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bon. Mais, euh, c'est où, cette histoire Oh là là alors, les insultes hein, sur ses collègues. Hein, bon. et Agnès Buzin qu'elle aurait traité de vieille blanche réac. Voilà, hein. Apparemment, ce n'est pas raciste. Donc, euh, tout va bien. Euh, voilà. Et là, et là c'est la dessus Je vous lis le passage. Ah, je vous lis le passage. Euh, elle a pu compter sur le soutien des réseaux maçons qu'elle devait, sur les traces de son père, rejoindre en 2017, selon nos informations. Alors, quand on dit maçon... On parle de franc-maçon, hein. c'est pas parce qu'elle est taillée comme une truelle que. Non, non, c'est la franc-maçonnerie. C'est pas la maçonnerie. Ouais. C'est vrai, j'ai été tôt approché, mais avec le boulot, les enfants, ce n'était jamais le bon moment, confirme-t-elle. Avant de lâcher, la franc-maçonnerie reste à mes yeux un des derniers espaces de débat philosophique. Alors, déjà, débat philosophique. Moi, j'aimerais assister à un débat philosophique de Marlène Chapa. Euh, juste pour voir ce que ça fait d'être dans un trou noir. Symboliquement, j'entends. Euh, comment ça se passe en fait Comment ça se passe un débat philosophique de Marlène Chapin Pourquoi Qui, que, quoi, dont, où Quelle est, quel est la salade Donc, euh, non, c'est. Moi, ça m'intéresserait. Je vous avoue que ça m'intéresserait de savoir euh, comment ça se passe, tu vois. Comment euh... Naran Chapa qui parle de, de, de philosophe, Alors, déjà, est-ce que depuis, on l'a informé que Spider-Man n'est pas un philosophe stoïcien de la Grèce antique hein Voilà, Et que Birkenstock n'est pas non plus l'assistant de Kant à l'époque Voilà, fin, il, faut, euh, il faudrait lui préciser. Mais, euh, voilà. Et, et bon, t'as la franc-maçonnerie. Alors, moi, je ne suis pas complotiste, hein, attention. Mais je ne comprends pas pourquoi Libération le dit. Si le fait d'être franc-maçon n'avait aucun intérêt avec l'évolution d'une personne dans les élites de la société française, je ne vois même pas pourquoi on le mentionne. Si c'est juste plus ou moins un club de Rami dans le Nord-Pas-de-Calais, je ne vois pas pourquoi on le, on le mentionne. Tu vois. Et c'est vrai que bon, bah, hier, j'en ai parlé dans le live interdit. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai dit, parce que c'est interdit. Mais, euh, mais, mais moi, j'aimerais bien un jour faire la, la cartographie. De gens, de personnalités publiques dont on connaît leur appartenance à la franc-maçonnerie, mais de manière formelle, tu vois, c'est comme là, en fait. C'est-à-dire, euh, c'est révélé par Libération, donc c'est officiel, tu vois. Euh, je sais pas. Je sais pas. Euh, je. Je sais pas. je sais pas quoi vous dire. Ouais, non, c'est. Faut que je baille le cerveau pour ça que je baille. Faut que je baille le cerveau parce que là ça va trop vite. Il y a trop de choses là. Je me mets dans le fond de ma chaise. Marlène Chapat, débat philosophique. Moi je n'arrive pas, mais bon, voilà un petit peu les amis. On pouvait se dire ce qu'on pouvait dire sur aujourd'hui, et d'ailleurs en plus pour finir sur. Marlène Chapa, c'est une expression bien sûr euh, en plus tourner des popotes, elle, elle, elle fait la tournée des popotes des, des popotes euh, pop médiatiques hein. aujourd'hui elle était dans l'opinion l'article est sorti hier sur internet mais c'est dans le journal de ce matin euh, elle nous parle de grand le grand recrutement sera social et solidaire la tribune de Marlène Chapa. c'est que cette dame est empêtrée dans un scandale euh, demain à 10h elle sera face à la commission d'enquête du Sénat et on a des médias qui l'invitent, ni vu ni connu. Donc c'est là qu'on peut parler de collusion. C'est à partir de là, les médias devraient, comme d'ailleurs quelqu'un qui est mis en examen ou sous le coup d'une enquête, qui doit se retirer de la vie publique pour préparer sa défense, pour moi, les médias devraient avoir interdiction d'interroger, de mettre en d'interroger en dehors. Et encore d'ailleurs, si l'enquête est en cours, ils ne doivent pas être interrogés. Mais là, pour le coup, il n'y a pas d'enquête, par exemple. Mais elle est quand même sous le coup d'une commission d'enquête du Sénat. Pour moi, les médias devraient être interdits de mettre en avant des personnalités qui sont pointées du doigt dans des affaires tant que l'affaire n'est pas réglée et que ces personnes n'ont pas été blanchies. Mais je, je ne comprends pas pourquoi on, on voit sa truffe encore dans euh, dans les médias. C'est un truc qui me rend euh, qui, qui me rend vraiment zinzin et euh, et, et voilà ça ça. Ça, ça dérange personne, elle fait la tournée des popotes. Euh, bientôt, peut-être qu'on la retrouvera en une de Jackie et Michel Hebdo, et on dira Ouais, mais quand même, vous vous rendez compte, c'est génial parce que euh, euh, c'est la libération de la femme. Tu vois. Non, non, mais c'est pas parce qu'elle, elle libère son trou de balle que toutes les femmes sont libres en France. Ça marche pas comme ça. Donc, euh... non, ça m'énerve. Tu vois, ça me tend. Ça, me... ça rend dubitatif. T'as raison. C'est j Jibad, j, -Bad... j badman j'ai eu du mal. J-Badman. Il dit ça, ça rend grognon, ça rend dubitatif. Je suis complètement d'accord. Donc donc voilà, enfin, les amis, les amis, les amis. Euh, ouais, c'est vrai, il y a The Real M1MI qui dit. Gargamel, on te, rappelle, on te rappelle dans chaque début d'article qui parle de lui qu'il est multicondamné, les membres du gouvernement jamais, c'est un deux poids deux mesures insupportable je suis tout à fait d'accord, effectivement il y a des personnalités politiques qui, eux, ont ce qui elles pardon, ont ce traitement où on rappelle les affaires et tout et, euh, et bizarrement, beaucoup de membres du gouvernement et d'autres même au gouvernement ne... il euh, n'y a pas ça quoi il faut le dire il faut le dire non. Non, mais c'est cocasse, c'est cocasse. Enfin, voilà, les amis. Je crois qu'on s'est dit pas mal de choses pour aujourd'hui. Les copains, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça, c'est le plus important. On a une belle semaine. On a une belle semaine qui nous attend. Je peux d'ores et déjà vous le dire. On va se retrouver. Euh, on va se retrouver. Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Tac, 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 tac. On a demain la farce tranquille. Quelle question ben oui, Demain, c'est la farce tranquille. À 18h, on aura du Juste Bistrot avant, bien évidemment. Euh, on va se retrouver aussi dimanche. Si je suis réveillé, dimanche. Petite surprise, je ne vous dis pas avec qui, mais un nouvel épisode de Ça discute avec. Un nouveau personnage qu'on n'a jamais eu sur Juste Milieu et qui nous fait l'amitié de venir échanger avec nous. Vous allez voir, ça va être cocasse comme tout. J'ai hâte de euh, l'interroger, de lui poser quelques petites questions. Puis voilà. Sinon, rendez-vous sur Juste Milieu. Toutes les actualités, tous les jours, de nouveaux articles. Il en pleut. Merci à Marie, la chef de l'édito. Ça, c'est le plaisir. Voilà l'équipe terrible de Juste Milieu. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Passez une bonne soirée. Bon apéro, si jamais il fait beau. Par chez vous. Je vous embrasse tendrement. Voilà. Osons les mots. Osons l'amour des rondes, comme dirait l'hôte. Euh, je vous embrasse. Je vous salue. Vive la rigolade. Vive la France. Et à demain.